retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, c'est pas un tuto, c'est pas diamond painting, mais bon, là je suis en train de faire une commande que j'avais eu avant le confinement. Puis là, bah, je l'attaque. donc, je vais la faire. J'ai déjà commencé hier, donc je vous fais une petite vidéo pour que vous voyez ce que je fais. Donc vous verrez, elle ne sera pas finie sur la vidéo, hein, parce que là, ça va être très très long à faire. Mais bon, comme ça, bah, vous pouvez voir un petit peu ce que je suis en train de faire pendant cette vidéo. Donc là, ça va être une commode. Pas comme celle-ci. Enfin, il va y avoir une première partie comme celle-ci, avec les mêmes tiroirs. Voilà. Sauf que là... il va y avoir en plus sur le côté ici trois tiroirs et sur le dessus, sur toute la longueur, il y aura une partie supplémentaire avec un couvercle. Voilà, donc ça va être un peu plus compliqué à construire parce que là je la fais sur mesure. Et j'ai pas fait de plan réel pour la faire. Mon seul plan que j'ai fait, vous voyez, c'est ça. Je me suis dessiné à main levée pour faire cette créa. Donc là, hier, j'ai déjà commencé. Voilà, je vous montre la structure principale. Voilà. Donc ici, ça va être la partie où il y a les petits tiroirs comme pour celle-là. Là, ça va être les trois tiroirs, les petits tiroirs. Et ici, sur le dessus, vous voyez là, la planche, elle est plus basse. Donc ici, il va y avoir un grand espace avec un couvercle sur le dessus où on pourra mettre des choses également. Voilà. Dans les tiroirs, faut que je redemande à la personne... mais je crois qu'elle m'avait demandé de faire des séparations également. Donc, oh, pff, je suis toujours coiffée à l'arrache, moi. Bon. Il faut que je lui en demande. Je crois qu'il faut que je lui fasse des séparations aussi dans les tiroirs. Donc, c'est pour ça que là, ça va être vraiment... ça va être long à faire. Mais bon. Ça fait pas peur. l'extérieur de la commode va être noir avec des arabesques, voilà, en reflet, et l'intérieur est bleu. Donc avec ces tissus là, je ne sais pas préparer encore. Alors, j'ai deux bleus pour l'intérieur, voilà, comme ceci. Et mon noir est quelque part, je n'ai pas sorti, il est là. Hop, il est là. Et mon noir est comme ceci, voilà. Des arabesques blanches. Donc, je vais continuer à attaquer. Je n'ai pas encore coupé toutes mes planches, puisque là, je le fais sur mesure. Je coupe mes planches au fur et à mesure. Donc, je suis en train de voir ce que j'ai fait. Oui. Ouais. D'ailleurs, il faut que je recoupe là, parce que j'ai... j'ai fait une bêtise. Enfin, ce n'est pas une bêtise. Non. J'ai coupé ma planche, mais en mettant déjà mon côté pour les petits tiroirs, j'ai oublié de couper ici. Mais bon, ça c'est rien, on va le couper. C'est pas un problème. J'ai oublié de couper cette partie-là. Donc ça, c'est déjà mes étagères pour pouvoir faire tenir les tiroirs. Et après, il me restera encore les tiroirs à couper, le dessus, le couvercle, etc. Donc, vous voyez, j'en ai encore pour un bon moment de travail dessus.
Et puis là, j'ai aussi les os. Donc, les os, c'est des petites cales, si vous voulez, en carton, que l'on met comme ça. Donc, je vais avoir mon étagère comme ça. Et je mets une hausse comme ça de chaque côté bah, pour que ça tienne. Hein, sinon, ça va se casser la binette. Donc, ça, je dois encore les couper. Je dois coller mes étagères par deux pour que l'épaisseur soit bien, bien épaisse. Je dois recouvrir de tissu. Voilà, j'ai plein de choses à faire. Donc là, je vais vous filmer ça. Et puis, on va voir. Bon, je ne sais pas si... Je vais peut-être papoter pendant que je vous le fais. Je ne sais pas. On va voir. Allez, je me prépare. Et puis, on se retrouve tout de suite. Bon, je vais papoter un petit peu. Quand j'en aurai marre de papoter, ben, je vous mettrai de la musique. Donc là, je vais commencer par mes os. Donc, ne me demandez pas, surtout pas, le tuto. Je vais être vilaine. Vous ne l'aurez pas. Parce que vous comprendrez bien que là, le tuto va être impossible à faire parce qu'il va vous falloir énormément de vidéos pour le faire. Et il y a beaucoup trop de mesures, de découpes à faire. Donc, ça va vraiment être impossible à faire en tuto. De toute façon, je vous l'avais déjà dit hein, dans les différentes vidéos où je faisais les commodes. Parce que vous me l'aviez déjà demandé. Et j'avais dit que c'était pas possible de le faire. Alors, j'ai eu des retours également pour les nuanciers de DP. J'ai des personnes qui m'ont demandé si je voulais bien leur en faire. Alors, je suis en réflexion. je donnerai mes réponses. Donc, si ces personnes qui m'ont demandé pour en faire pas sur la vidéo, je vais réfléchir. Parce que là, comme je suis en train de faire cette commode... Là, vous savez bien que pour l'instant, du coup, je n'aurai pas le temps de le faire dans l'immédiat. Et en plus, il va falloir que je me recommande du carton, puisque... Puisque là, après, de toute façon, une fois la commode faite, je vais tomber en panne de carton. Donc, ça va, si j'accepte de vous en faire, ben, il faudra attendre que j'ai fait ma commande de carton. Donc, il faudra être un peu patiente. Bon, le cartonnage, c'est bien, mais bon, il faut être très patient parce que c'est très long. Suivant les objets qu'on fabrique, hein, bien sûr. Mais quand c'est des très grosses pièces comme ça, c'est très long. En plus, c'est assez exigeant parce qu'il ne faut pas se tromper, surtout dans les mesures. Sinon, ben, c'est râpé. Bon, là, je vais pas prendre mon cutter électrique parce que je vais faire des petites pièces. Et puis, de toute façon, sinon, je ferai trop de bruit. C'est la poubelle. Donc là, c'est des commandes que j'avais eues avant le confinement. Hein. Donc j'en ai trois commandes. Donc celle-ci,
j'ai aussi une commande pour une boîte livre, une grande boîte livre à faire. Donc je ferai après la commode. Et après, deux grandes boîtes à couture, comme je vous avais dit, qui sont pour le mois de juin. Bon, mes poignets vont pas me dire merci ce soir encore. Et puis j'ai mon tapis qui glisse. J'ai plus de force. Ce matin, j'ai fait 2 heures de jardinage. Je suis capoute. J'ai fait du jardinage parce que j'avais ma pelouse, on aurait dit une forêt vierge. Les herbes étaient montées à près de 30 cm. Et puis, j'ai dû faire mon jardin aussi parce que j'ai les chiens du voisin qui ont encore envahi mon jardin hier et qui m'ont fait des dégâts. Ils m'ont même cassé un arbre. Et donc bon, ça va. Enfin, ça va. Ce matin, j'ai vu le voisin. Je lui ai demandé s'il allait venir réparer parce que les chiens, c'est des staffs. Il y en a deux qui se sauvent toujours. Et ces staffs arrachent les grillages avec leur mâchoire. Donc j'ai deux grands trous dans ma clôture. Donc je lui ai dit qu'il paye le grillage ou qu'il vienne réparer et puis qu'il me rembourse mon arbre ou qu'il en achète un. Donc il doit aller m'acheter un arbre, qu'il m'a dit, et puis il va venir réparer. Donc j'espère qu'il va tenir sa promesse. Parce que comme hier j'en ai tellement eu marre que j'ai tout pris en vidéo, j'ai filmé ces chiens dans mon jardin. Ah bah tiens, je vous mets la vidéo. Comme ça vous verrez les dégâts que sont leurs chiens m'ont fait dans mon jardin. Vous avez vu, hein, c'est sympa, hein. Sympa d'avoir deux molosses comme ça dans son jardin. Je crois qu'il va falloir que je change ma lame de côté. Mais sur celui-là de cutter, je ne sais pas le faire, que je demande à mon mari. Je vois qu'elle commence à ne plus couper. Alors, il m'en faut encore. Je prends un carton. Alors, on a dit 17-8.
Donc quand c'est pareil, ça, quand vous faites du cartonnage, il vaut mieux toujours toujours revérifier vos mesures un peu au fur et à mesure. Pour voir si vous n'êtes pas trompé. Donc, le faire toujours avant de coller, hein, bien sûr, parce que sinon, vous risquez d'avoir des surprises. Bon, hier j'ai reçu un DP, je pensais que c'était celui pour le prochain concours, mais fausse alerte. Ce n'est pas encore celui-là. C'était un pour mon mari. Je vous le montrerai ben, quand il commencera, bien sûr. Donc celui pour le concours est en route. Il est sur la route. Ça y est, j'ai eu le numéro de suivi. Donc, il ne devrait plus tarder normalement. J'espère que c'est qu'il vous plaira, surtout. Il faut de la force. Hein. Alors là, je travaille avec du carton 2 mm. Donc, ça va encore. Mais quand vous travaillez avec du 3 ou du 4, le 4, c'est le maximum. Là, je peux vous assurer qu'il en faut de la force. Je profite de la vidéo, j'ai déjà marqué dans la communauté, mais je profite de la vidéo pour remercier tout le monde, car je ne sais pas si vous avez vu, mais on est arrivé à 3500, là ce matin, on a déjà dépassé les 3500 abonnés, donc c'est super, je suis contente. Ça prouve que mes vidéos plaisent. On va continuer comme ça, hein? Vous en pensez quoi? Donc, je vais d'abord commencer par la petite. Je vais couper les autres après. Je vais déjà coller cela. Enfin, coller avec le tissu. Donc... 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Pinceau. Colle. Tissu. Thank you.
Sopalin. Ne pas oublier le sopalin. Allez, on va tartiner. Là, ce que je fais c'est aller à l'économie hein, sur le tissu le maximum parce que là bah, en ce moment c'est bon, en plus je sais que mon fournisseur pour ce tissu là bah, n'a plus cette couleur là donc je ne dois pas me planter. Voilà. On va en faire un deuxième. Et avant de coller sur le caisson, je vais d'abord mettre un tissu dans le fond du caisson. Heureusement, j'y pense. Des fois, j'oublie. C'est une fois que j'ai collé les trucs, je fais mince, j'ai oublié de coller mon tissu du fond. Je vais finir d'abord ça. Alors, j'avais un mini ciseau. Ah, je vais tout faire tomber. Ah, il est là. Il est là, mon mini ciseau. Un moment que j'ai pas cartonné, hein.
Depuis, avec le confinement, j'aurais pu, mais c'est vrai que là, ça fait un moment. J'ai surtout fait du diamond painting. En voilà. En tout cas, les loisirs créatifs, c'est quelque chose qui m'a jamais lâchée, hein. Depuis toute petite. Toujours aimé bricoler. Je me rappelle que toute petite, je sais que ça se refait un petit peu, mais petite, je faisais des fleurs avec des collants, des bas. J'aimais bien faire ça. Je faisais des choses avec des bouteilles en verre. Donc, je coupais les bouteilles en verre et puis ben, je refaisais des vases ou des pots, des choses comme ça. Les perles aussi. Bon, ça, les perles, on était beaucoup à faire des perles hein, quand on était petite, je pense. Voilà, mes deux premières sont faites. Donc maintenant, il faut que je fasse ici. Je mets un premier tissu ici. Alors, pour ça, je vais remesurer. C'est bon. Et compter ici. Ouais, que ce qui me manque, c'est un cutter à tissu. Je sais pas si je vais m'en acheter un.
Alors, j'avais une... Je prends la soupe à l'in, c'est rien. J'avais une carte pour lisser. Mais je ne sais pas où j'ai mis. Allez, on va y mettre de la colle. On va tartiner. Alors, j'ai vu qu'on m'a demandé des vidéos. Vidéos sur la broderie. Sur le point de croix. Alors, ok, j'en ferai une. Sauf que là, bah, il faut que je suis en panne de fil. Donc, il faut que j'attende pour me commander mon fil. Donc, dès que je l'ai, bah, je ferai une vidéo. On m'a demandé une vidéo sur les bijoux que je fabrique. Donc, pareil. J'en ferai une. Il y a plein de vidéos que je devais vous faire déjà depuis un bon moment. Bon, il faut que je retrouve toutes les vidéos que vous vouliez. Sinon, n'hésitez pas en commentaire à me les demander, hein, puis je verrai si c'est possible. Ah. Ça colle, ça colle. Hein. Il y a quelque chose. Ouais. Il y avait une crocrotte de colle. Ça, ce qui dépasse, je vais le couper, c'est pas grave. Il est joli ce bleu. Voilà. Et on va couper ce qui dépasse. Je colle. Non, si je colle, ça colle.
Donc là, je vais pouvoir commencer à mettre mes tasseaux. Je regarde avant de coller si ça va. Oui. Et ah, j'ai oublié de prendre une chose très importante, mes pinces. Les petites et je vais prendre les grandes. Voilà, ça c'est les grandes et là mes petites. Ça me permet de faire tenir le temps que ça colle. Alors, je suis sûre que vous allez me le demander. Donc, je le dis avant que vous me le demandiez. La colle que j'utilise, c'est la vinylique blanche de chez Cléopâtre. Donc, aussi bien pour le tissu que pour le carton. Je rajoute un peu au bord pour être sûr que ça colle bien. De l'autre côté. Là, ça dépasse un tout petit peu. Parce que comme le carton n'est pas la même... Alors, on va... juste corriger. Là, c'est rien, comme c'est dans le fond et que le tissu est déjà collé, c'est pas très grave. Donc, quand c'est un truc comme ça de 1 mm ou 2, c'est plus difficile à couper. On dirait pas, mais... là, vaut mieux laisser la règle pour éviter de tout déchirer. Voilà. Je mets un peu de colle. Et voilà, ni vu ni connu. Je t'embrouille. Toujours bien au bord. Mes premiers tasseaux sont mis ici et un là-bas.
Bon, là, il va falloir que je coupe. Pour faire le premier. Et pour faire les suivants, il faudra que je recoupe des planches parce que ben, j'ai pas coupé assez encore. Donc pareil, là, avant de coller le tissu, je vais vérifier. Donc ça, c'est pour mettre ici. Bon, là, voilà, je crois que je remesure. Je vérifie que je suis bonne, impeccable. Vous voyez. Bon, il m'en faut deux, donc j'en coupe deux. Et là, quand je les ai préparés, quand je les ai coupés, j'en ai coupé un, si vous voulez, dans ce sens-là et un dans ce sens-là, pour que ce ne soit pas dans le même fil du carton, pour que ça évite de pour pas que ça soit ondulé quand on le colle. Je vérifie quand même celui-là. Impeccable. Et là, on va les tartiner ensemble. Parce que la colle fut ondulée, hein, comme c'est ben, la colle, c'est humide. Donc, je répète, hein, je l'ai dit en début de vidéo, je ne fais pas un tuto là. C'est pas un tuto. Je donne pas de mesure. Je répète, hein, je sais, c'est-à-dire que je rabâche, mais c'est parce que je suis sûre à 100% que je vais trouver un commentaire ou deux. Tu peux me donner les mesures? Tu peux faire un tuto? Je vous connais par cœur, les filles. Oh, c'est gentil, hein, ce que je dis. Mais je sais comment. Je sais que certaines d'entre vous vont me le demander. Donc. Et voilà, un sandwich de carton. Donc. Le temps que je coupe mon tissu. Elles vont bien ces pinces, mais alors elles pincent tellement bien qu'elles sont dures. Alors ces pinces-là, c'est des Decter, voilà. Je les avais achetées à Leroy Merlin. Elles sont pas tellement chères. Hein. Elles sont vendues par 4 ou 5. 5, je crois.
Voilà, attendez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, elles sont vendues par 4. J'avais payé 5 euros le paquet de 4. Je crois. Pour la bonne qualité, voilà. Ça, par contre, c'est la gnagnac. Hein. Bon, elles font leur job hein, quand même, mais ça ne presse pas comme celle-là. Ceux-là, je les avais achetés chez Babou. Maintenant, ça ne s'appelle plus Babou. D'ailleurs, je n'y vais plus à ce magasin. Parce que maintenant, depuis qu'ils ont changé, j'avais payé 1 euro. Voilà, j'ai fini d'expliquer avant. Je ne vais plus chez Babou. Parce que depuis que ça a changé de nom, c'est devenu, excusez-moi du mot, hein, mais c'est devenu un bordel. Mais alors, pas possible. J'ai dit, non, c'est fini. C'est devenu, mais alors, un souk. Un vrai souk. On a dit, c'est terminé, on n'y va plus. Puis, maintenant, ce qu'on trouve là, c'est... C'est de la cacaille, vraiment. Donc, à côté de nous, Babou, donc nous, c'est à la Sentinelle, hein, près de Valenciennes. Nous, à côté, on a l'Incroyable. Tant qu'à faire, 100 fois mieux l'Incroyable. Alors, ici, je veux 27,7. Dans ce sens-là, c'est pas possible. Donc, on va le faire dans ce sens ici. Alors, 27,7. Oh mince, je vous ai donné une mesure. Alors, 27,7. Je vais faire les trois. Donc, ça va être les tasseaux du fond. Mais je crois que 27,7, ça va être trop long. C'est rien, je recouperai un peu. Non, je vais faire 27,5. Je vais faire 27,5. Je sens que je vais bien dormir ce soir avec mon jardin là. Après, on va voir ce qu'on va faire à souper. Je sais pas. Mon chouchou veut rien de spécial, donc comme ça, je suis tranquille. Je me casse pas la tête. Moi, ça va. J'ai un mari qui est pas difficile du tout. On fait à manger, c'est bien. On fait pas à manger, ben, on se fait des sandwichs. Hein, puis... De toute façon, j'ai un mari en or. Il m'aide beaucoup dans la maison. De toute façon, c'est lui qui fait le nettoyage de la maison pour les sols. Son repassage à lui, je ne le fais pas. C'est lui qui se le fait. Quand il y a
Des fois, ils préparent le repas aussi, donc... Et avant que vous me le demandiez, non, je ne le donne pas. Je le garde. Nanana. En plus, il n'a pas de défaut. Il fume pas, il boit pas, il va pas au café. Tout ce qu'il faut. En plus, il fait du diamond painting, alors que demander de plus? Eh, ça m'énerve que mon tapis glisse. Il va falloir que je mette des trucs anti-dérapants en dessous, ça m'énerve. Ah, maintenant c'est le carton. De toute façon, mon tapis il est mort. Chaque fois, il faut que je change. J'aimerais bien me prendre celui en vert là. Mais bon, c'est pas la priorité pour l'instant. Quand je le verrai en solde ou quoi, oui, mais bon, pour l'instant. Je crois qu'il est. C'est dans les 30 euros, je crois, un truc comme ça, le tapis en vert. Pas la couleur verte, hein, en vert, la matière du vert. Ah, j'en ai marre. J'avais fait plus grand. Surveiller la caméra en même temps parce que je n'avais que la moitié de batterie. Ouais, faut changer la lame de mon cutter. Ça va plus. Bon, ça, ce sera pour après. Et là, donc, on va le recouvrir de tissu. Alors, j'étais où? Dans ce sens-là. Ah oui, j'étais là. Je vais faire comme ça. Voilà. Comme j'ai dit, j'essaie d'user le moins possible de tissu. Le plus petit centimètre carré est utile.
Au moins, découper avec un ciseau tenu à l'envers. Et j'ai pas vérifié avant. Ah bah c'est bon. Ouf. Heureusement. J'avais oublié de vérifier. Oui, je vous dis de toujours vérifier vos mesures avant et moi je ne l'ai pas fait. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, hein. Voilà. Alors, maintenant, on va bien le tartiner. Donc, ça colle bien sur tous les bouts. Donc, ça, on va le faire 5 fois. 3 fois en petite taille. Enfin, petite taille. Et 2 fois dans une taille un peu plus grande. Voilà. Donc ça, on va le faire comme ça 5 fois. Puisqu'il y a 5 tiroirs. Et on fera pareil ici, mais en beaucoup plus petit. Là, je peux pas mettre de pince, hein, mais bon. Normalement, il n'y aura pas de souci, ça va tenir. Donc, je vais voir si ça c'est bien collé. La colle partout. C'est pas assez collé encore. Normalement, je le mets sous des livres, une heure ou deux. Donc, c'est ce que je vais devoir faire. Je ne veux pas que ça se décolle. Hein. J'ai mes gros livres. C'est ça, deux gros dictionnaires Larousse, le Robert et le Larousse. Et hop, et voilà. Et comme ça, il vous restez une petite heure comme ça avant que je les colle. On passe vite, hein. Ça fait déjà
56 minutes qu'on papote, puis que je bricole. Vous voyez, c'est quand même assez long hein, pour faire le cartonnage. Hein. J'ai pas avancé, hein, vous voyez. Donc, je vous montre ce que je viens de faire. Voilà. Le premier fond est fait. Donc, moi, là, ce que je vais faire, après, je vais continuer à préparer les étagères. Comme ça, elles seront prêtes. Et pour la prochaine vidéo, on continuera à voir le montage des étagères pour les tiroirs. Et là, bon, là, pour l'instant, je suis coincée. Et puis, de toute façon, comme ça fait déjà une heure qu'on papote, je vais vous laisser tranquille. Voilà, ça fait... Hop, on va revenir ici. Ça sera mieux. Là, je vais ranger mon tissu. Après, de toute façon, il faut que je fasse des masques. Et... Ah, j'avais fait un masque... Enfin, j'avais fait un masque pour moi et pour mon mari... En plus de ceux que j'avais déjà fait, mais j'avais fait avec un tissu jean, mais jean fin. Mais oh, on étouffe. Donc c'était du coton, hein, mais il est trop épais, c'est trop épais quand même. Donc là, je vais nous en refaire. Parce qu'il n'est pas question que j'aille acheter les masques au supermarché. Niet, niet, niet. Pas payer le prix fort alors que moi je peux m'en faire des gratos. Voilà. Je vous laisse. Allez, ça, il reste 1 minute et demie avant que l'heure soit complète. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette petite vidéo et ce petit blabla vous aura plu. Si vous avez des questions, en commentaire, comme d'habitude. Alors, on me pose souvent la question. Celles qui sont sur leur téléphone. Des fois, elles me disent, oh, je ne trouve pas comment faire pour te mettre un commentaire. Alors, quand vous êtes sur la vidéo, là, vous faites ça sur votre téléphone. Vous avez tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas. Et puis, oh, vous trouvez les commentaires. Mais alors, il faut aller tout en bas de la page. Hein, quand vous êtes sur la vidéo, vous remontez votre page pour arriver en bas. Hein, vous la remontez pour arriver en bas. Vous avez compris? Et tout en bas de la page, vous avez les commentaires. Et là, vous pouvez me laisser des commentaires. Voilà. C'est quand vous êtes sur votre téléphone. Et puis, bah, sur l'ordinateur, là, il n'y a pas de problème. Vous savez le faire. Voilà. Comme ça, j'ai expliqué pour celles qui étaient sur leur téléphone comment elles pouvaient faire. Allez. 3 minutes. Et ça fait 1 heure. Ça y est. Ça fait 1 heure qu'on papote. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, de nouvelles aventures et plein de belles choses. À bientôt, bisous, bisous et des pouces, et des pouces, et des pouces. Bisous, bisous.